François Nebout, Assoyo, vous voilà en tête avec plus de 38% des voix. Visiblement, voilà, il y avait trois listes face à vous, mais les électeurs ont préféré, dans la majorité, voter pour vous. Votre réaction ? Alors ma réaction, d'abord, c'est une satisfaction d'arriver en tête avec 38% des voix. C'est vrai que c'était une campagne un petit peu difficile avec une équipe largement renouvelée, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont venus m'accompagner cette fois-ci. Ça a été une campagne assez dense, parfois difficile, parfois un petit peu rude. Donc bien évidemment, je suis satisfait. On ne savait pas trop où on allait un petit peu au départ. Donc voilà, je peux être que satisfait de ce résultat avec quatre équipes en liste. Voilà, On se retrouverait peut-être dans une quadrangulaire au deuxième tour. Alors, tout le monde peut se maintenir au deuxième tour. Est-ce que ça vous inquiète éventuellement pour une réélection ? Non, je ne suis pas inquiet. Bon, écoutez, je suis là depuis un certain nombre d'années. Je pense avoir fait mes preuves. Je continuerai un petit peu de la même manière. Peut-être en allant encore plus vers les citoyens, parce que j'ai vu que l'équipe de Décide, qui fait 20%, une équipe nouvelle, une équipe de citoyens qui fait un score aussi bon. Ça interpelle aussi, donc j'entends. Voilà, donc j'ai pas gagné au premier tour, c'est vrai, mais je suis en tête et je pense que ça nous interpelle aussi, peut-être sûrement à modifier certaines choses dans notre manière de faire. Quand on additionne les voix de Frédéric et les miennes, on arrive finalement au score que j'avais fait la dernière fois, donc ça veut dire que l'électorat est aussi fidèle. Et je l'en remercie parce que c'est vrai que c'est une fidélité depuis maintenant 31 ans, 1989.